again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to take back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. You've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long. Stone in paradise. We don't talk about it. We don't talk about it. Coldest winter for me. No sun is shining anymore. The only thing I feel is pain, caused by the absence of you. Is controlling my mind. I cannot find my way out of here. We need to take back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. You've never danced like this. Oh, yeah. Welcome back, everybody, to CIDI 99.1 FM, Bromasiskwa's number one community radio. My name is Dylan Lenny, and this is Fred Dion, and you are listening to the Songs of the Week. Yeah. So, that was Stolen Dance by Milky Chance. Exactly. It's a good song. It's a good song, it's man. It's a song that, I'm going to be honest, I just forgot about until I just read it on the set list. Yeah. I kind of like to play old song that old songs that people forgot. I like to rearrange, like we played a bit earlier, Never Gonna Give You Up. I like to rearrange old song, and that's kind of my fun, playing covers, just rearranging things that people forgot about. All right, well, I love it. Let's keep doing that. Yeah. Most of the set list is or old songs or new songs that people mostly don't know, because I like to play things on my... Yeah, on my way. There we go. Yeah, man. I might play an original. All right. I have, as I said earlier, I wrote a lot during the pandemic, and I kind of finished my first album, finished writing my first album. So I'm always glad to play these new tunes. So I'm gonna go, I think, with a song in French, which is called Elle. C'est une chanson, dans le fond, que j'ai écrite parce que j'ai côtoyé plusieurs personnes dans ma vie qui étaient assez tristes. Puis moi, j'ai eu la chance d'être quelqu'un qui est pas triste, qui est de bonne humeur, qui a pas eu trop d'embûches dans ma vie. Mais il y a plusieurs personnes de qui je me suis rapproché qui vivent avec des grosses blessures puis qui arrivent quand même à garder la tête haute. Puis c'est ça, vivre leur vie de façon normale, mais... Ça me fait beaucoup de peine de voir ces gens-là que j'apprécie vivre avec ce petit fardeau-là. Ça m'a fait écrire une chanson qui s'appelle Elle. Parfait, j'écoute ça. On y va.
ne l'a pas eu facile, mais elle s'est toujours tenue droite. Elle rêvait d'une vie tranquille, sans embûche ni dérape. Maintenant, à l'automne de la vie, elle parvient à garder le cap. Mais malgré les nombreux efforts, son passé la rattrape. Et elle a bien beau être forte et se relever de tout, à la longue, ça somme se faire taper sur le clou. Puis elle fait tout en son pouvoir pour faire disparaître toutes les traces de cette petite fille fragile qui forge une carapace. Mais elle dort encore en elle. Elle dort encore en elle. Le temps file et elle marche vers un futur un peu plus joyeux. Elle prend conscience de toutes les tâches qu'ont pardonné ses aveux. Puis elle poursuit son chemin, guidée par cette petite lumière, souhaitant un jour apprivoiser tout ce qu'elle traîne derrière. Mais elle dort encore en elle. D'elle, à ruminer d'un optimisme bidon, pour seul espoir qu'elle s'accroche de plus belle quand elle croise ses plus vieux démons. Super beau, super. Merci. Beau. Écoute, ça me donne des vibes de Les Deux Frères. Si Les Deux Frères mettaient de la guitare un peu plus compliquée. Ah, c'est bon quand même. Ben, merci. Ça fait plaisir. Ben, c'est pas la première fois en plus qu'il y a des gens qui me font ce commentaire-là, puis ça me fait bien plaisir. C'est ça, c'est un compliment. Ben, merci beaucoup. Quand je le dis, en tout cas, c'est. Moi, je le dis en compliment. Toi, tu le dis en compliment, parfait. Moi, je les aime beaucoup, les deux. Ben, moi aussi, puis c'est ça, tu vois, ça aussi, ça me rappelle un peu Nashville, cette chanson-là, parce qu'il y a un gars que j'ai découvert pas là-bas, mais que j'ai découvert à cause de mon passage à Nashville. Il y a des gens qui jouaient du Tony Rice. Puis Tony Rice, c'est comme un icône du Peking Bluegrass Country, okay. Qui chante aussi, puis c'est un peu dans ce genre-là, mais 100 fois meilleur, mais dans le sens que des mélodies à la guitare piquées entre les couplets, ben ouais. Ça vient beaucoup de Tony Rice, j'en ai tellement écouté depuis que je suis allé à Nashville, puis ça, c'est comme un peu dans le genre de... OK. Ben écoute, il va falloir que je me mette une petite note d'écouter ça. Ouais, moi j'ai vraiment trippé sur ce gars-là, mais ceux qui justement qui connaissent le bluegrass, le country, qui s'intéressent vraiment à ça, ils doivent connaître Tony Rice. Il est décédé justement l'année dernière, mais c'est comme un monument là, vraiment dans okay. ce genre-là, acoustique, country, bluegrass, acoustique. Puis aussi c'est impressionnant ce gars-là parce que il joue tout seul. Mettons, il y a des albums où il est tout seul, guitare, voix. Puis t'écoutes ça, puis tout le long, t'as la langue à terre, tu capotes parce que c'est trop bon. Mais pour jouer un album complet, tout seul, guitare-voix, puis que ça fasse triper autant de monde, faut être bon. Là, ouais. Un artiste qui fait ça, puis là, c'est complètement différent. T'sais, c'est vraiment plus du country, on sort de là, mais c'est Ed Sheeran. Oui, vraiment. Que, c'est sûr, ses derniers albums sont très pop, puis sont très... c'est très... comme je dis, pop, là. Mais... Ouais. Quand tu vas le voir en show, il fait des petits live sessions acoustiques, puis tu vois qu'il fait tout avec son looper. Ouais. C'est là que... Moi, c'est vraiment quand je l'ai vu jouer avec son looper que je me suis dit, OK, ouais. Oh, c'est un grand talent. C'est une machine. Ouais, vraiment. T'es tout seul sur un stage, puis on dirait que c'est un orchestre. Là. Non, exact. C'est vraiment pas la même affaire. T'sais, c'est, là, avec ton gars, c'est plus le talent de guitare, puis de... OK, il est allé là, puis j'aurais jamais pensé à ça. Ouais. Avec Ed Sheeran, c'est plus...
comment est-ce qu'il est capable de faire ça? Ouais, c'est ça, pour justement faire du pop, mais nous faire triper pareil en écoutant du pop. C'est quelque chose qui est super accessible, qui est quand même simple à la base, mais qui est réussi à le faire d'une manière tellement bonne. C'est ça, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Ben d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, on se fait-tu un petit cover? Ouais, on pourrait se faire un petit cover, certain. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on jouerait déjà? Moi, j'ai envie d'y aller avec Valerie de Amy Winehouse. Donc, okay. Tu peux me suivre, c'est quand même assez simple. Là, dans les couplets, il y a deux accords. Donc, je fais ça en do, ça fait do, ré mineur. Puis les refrains, ça fait suis-moi. Ça devrait bien aller pour elle. OK. C'est do majeur 7 que je fais. Là, OK. OK. Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things that you're doing in my head and I paint a picture. On va la faire. Since I've come on home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 All right. Did you have to go to jail, put your house upon for sale? Did you get a good lawyer? And I hope you'll catch it then. I hope you'll find the right man who fix it for you. Encore. Are you shopping everywhere? Change your color of your hair. Are you dizzy? Did you have to play that fine? Are you dodging all the time? Are you still dizzy? Alright. Since I've come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So why don't you come on over? Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things that you're doing in my head and I paint a picture. Since I've come on home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So why don't you come on over? Une autre chanson que j'ai oubliée. J'avais oublié l'existence de cette chanson. Mais elle existe encore. Elle est donc bien bonne. Même quand tu m'as dit que tu allais la faire, j'étais comme, c'est quoi donc cette chanson? Je connais ça. Ça. J'adore. Moi aussi, comme je disais, j'aime ça reprendre des vieilles tunes un peu moins connues ou des tunes qu'on a tendance à oublier puis les faire à ma sauce. Ouais. Je vais te dire de quoi que tu vas prendre un compliment, ça c'est sûr et certain, mais on dirait que j'entendais John Mayer.
On a parlé tantôt, on pourrait pas dire, on pourrait pas dire c'est mieux. Ça, c'était direct lui que j'entendais. Là. Ah, c'est fin, man. Yes. Et sinon, en parlant de... On retourne à parler de toi puis des shows. Puis t'as parlé du Nicaragua, t'as parlé de Hawaï, t'as parlé de toutes sortes de places, là, mais... Si on retourne ici au Québec, là... Ouais. Puis là, je te pose une question difficile. Ça se peut que tu bloques puis que tu dis, t'aurais dû me le dire d'avance, j'y aurais pensé, là, mais... T'as-tu un show que tu te souviens d'autour d'ici, là, que tu dis, ce show-là, là? C'était un show spécial. Je sais pas qu'est-ce que le monde buvait ce soir-là, là, mais ouais. Il y avait de quoi que c'est passé ce soir-là, puis c'était quelque chose de spécial. Là. Ben oui, il y en a définitivement quelques-uns, mais c'est sûr que je dirais que les shows les plus marquants ici au Québec, c'est probablement les lancements d'albums. T'sais, moi, c'est ça, avec les Jacks, on a lancé deux albums, fait que c'est sûr que c'est des shows plus stressants qu'à l'habitude, c'est des shows très attendus de nous comme de nos proches, puis tout ça, fait que... High risk, high reward. Exactement, c'est ça, je pense que les lancements d'albums, c'est des shows où j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance, puis c'est comme une grande libération une fois qu'ils sont faits. Mais sinon, si on revient plus au bar et tout ça, je sais pas si j'ai un souvenir en particulier. Peut-être que oui, je pense que la petite grenouille de Rimouski, un soir qui a été complètement déjantée, j'accompagnais à ce moment-là une fille qui s'appelle Marianne Côté, elle qui faisait... Oui. Oui. Tu la connais? Ben, pas personnellement, mais j'ai entendu de son matériel. OK, ben moi, Marianne... Super bonne. Ben oui, Marianne, c'est une bonne amie. Justement, je l'accompagnais en 2016-2017 environ au drum. Fait qu'on était partis en tournée ensemble. Puis justement, on s'est retrouvés à jouer dans une petite grenouille qui est un bar de chansonniers. Mais là, c'était un show où les gens achetaient des billets. Mais après nous, il y avait des chansonniers. Donc, on avait comme un peu fait le pont entre les deux. Puis ça avait été une soirée... assez déjanté avec Max Dastou, entre autres. Puis, Max Dastou, la légende. La légende du Québec, oh, Max Dastou. Ça avait été toute une soirée. Fait que je pense que je pourrais nommer ce soir-là dans un bar, mettons, qui avait complètement été fou avec Marianne puis Max. Ben, Max Dastou, il a un super pouvoir. Là. Oui. Il peut arriver vers n'importe quel chansonnier puis voler la vedette en une seconde. Il arrive sur le stage, puis on dirait que tout le monde le connaît. Ouais. Tout le monde est son meilleur chum. Exactement. Avec lui. Puis, il est embarqué sur stage comme deux, trois fois avec moi. Puis, j'étais juste comme, wow! Quel dude, man! Quel personnage! Vraiment cool. Puis, justement, moi, c'était nice parce que j'avais mon drum ce soir-là parce que je jouais du drum avec Marianne. Fait que là, ça avait tourné en jam, on avait joué ensemble. Puis, belle soirée. J'ai hâte d'y reparler justement à Max. On a tendance à se perdre un peu dans la vie avec notre train quotidien, mais quel cool, c'est ça, cool gars. C'est juste comme... C'est un amour, c'est ça. Vraiment. Et aussi le monde de Rimouski, Rivière-du-Loup, je trouve tellement que c'est le bas du fleuve, le monde sont tellement gentils, vraiment, accueillants. Vraiment, ça va, c'est tout le temps. Mais tu sais, j'imagine que comme moi, tu fais bien de la route puis tu te promènes au Québec pas mal à faire ce métier-là, puis... C'est tellement cool d'aller en région, tu sais. Ben ouais, ben ça fait comme un an que un an avant la pandémie, j'étais tout local, je me promenais moins, puis ça me manque. Ouais. Ça me manque de changer de région, parce que c'est là que tu vois à quel point ils sont différents, les gens. Oui. Puis tu vas dans des plus petites régions, puis moi, la première affaire qui m'a marqué, c'est le monde te regarde dans les yeux. Direct dans les yeux. Bonjour, comment ça va? Puis bonjour. Puis c'est quoi ton nom? Puis le monde, ils veulent le savoir. T'sais, j'ai demandé à quelqu'un, ça faisait 5 minutes que j'étais à Rimouski, j'ai croisé une personne, excuse-moi, mais je cherche une place à manger, ça me tente pas d'aller au McDo, t'as-tu une suggestion? Ah, puis là, ça se met à me jaser, il y a cette place-là, il y a cette place-là, cette place-là, puis nous autres, on s'en va là, ça te tente-tu de venir? Puis là, t'as d'autres mondes qui arrivent, nous autres, on s'en va là, ça, c'est une belle personne, finalement, on s'est ramassé une gang, puis... C'est tellement cool. Ça a juste pris. Excuse-moi, mais tu connais-tu une place? Puis ils sont venus les 3 soirs que j'étais là à Petite Grenouille pour me voir en show. Ils ont fait le party bien raide. Puis c'est mes amis Facebook maintenant. Non, c'est ça, c'est cool. OK. Il y a de quoi, tu sais, les régions, man. Faut pas dénigrer ça. Là. C'est tellement cool d'aller dans les régions. C'est différent. C'est un autre univers, puis c'est merveilleux. Ouais. Puis justement, je reviens à ta question de tantôt, ça me fait penser. On est allé jouer aux Îles-de-la-Madeleine avec les Jacks en 2010. Jamais allé, là. Ouais, ça, man, c'est le paradis sur Terre, là, pour vrai. Puis justement, on est allé en 2019, nous, avec les Jacks. Puis on est allé en 2018, si je me trompe pas. Puis on voulait retourner en 2019, mais on s'est dit, on va laisser passer un an. Là, c'est quand même vraiment beaucoup de route. Puis c'est sûr que ça... rend des moyens quand même. C'est une bonne ride. C'est 13 heures d'auto, 5 heures de bateau pour s'y rendre. Fait qu'il faut que ça vaille la peine quand même. Faut booker des shows en chemin. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à y aller
à chaque année, on va laisser passer un an entre les deux. Puis là, finalement, il y a eu la pandémie l'année qui suivait, donc en 2020. Fait que là, moi, j'y retourne en solo cette fois, mais j'y retourne cet été. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je m'en vais passer le mois de juillet, une bonne partie du mois de juillet aux îles de la Madeleine. Fait que ça, les shows là-bas, ça, c'était assez magique. Il se passe de quoi là-bas, là. C'est vraiment cool. Là. Merveilleux. Ouais. Ben écoute, je vais mettre ça sur ma bucket list. Ah, il faut pour vrai, tu sais, comme je te disais tantôt, j'ai voyagé pas mal, mais les îles de la Madeleine, c'est encore dans mes tops, là, vraiment, vraiment. Ouais. Il y a Gaspésie aussi, que j'ai booké des shows en Gaspésie tellement de fois, puis j'ai jamais été, ça a tout été cancellé à cause de la pandémie. Ah. Puis après ça, on a rebooké l'été passé, puis là, ça a été cancellé encore. Ouais. À cause, je sais pas trop ce qui est arrivé. Ouais. Ben, c'est sûr que cette année, ça n'a pas été facile de faire du booking. Ça. Puis après ça, j'étais arrivé à l'université, je ne pouvais plus y aller, j'avais pas assez de temps en mes fins de semaine. Mm-hmm. Fallait que quand tu y allais, il fallait que tu. Ouais, faut que tu prennes le temps. Tu tapes jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est pour que ça vaille la peine. Là, ouais. Mais tout le monde me dit, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. Ouais, fait que j'ai hâte de voir ça. Tout à fait. Puis moi aussi, là, on parle des régions. Dans le fond, moi, j'ai de la famille et des amis en Abitibi. Okay, on est allé souvent jouer en Abitibi vu que justement, j'avais plus de contacts là-bas puis je savais un peu où me diriger. Puis ça aussi, là, à chaque fois qu'on arrive là-bas, c'est un autre monde. C'est vraiment cool. Les gens sont accueillants. C'est tellement trippant d'aller jouer pour eux. Ça vaut la peine de se déplacer en région pour aller faire des shows. C'est tout à fait différent. Les gens nous reçoivent parce qu'ils sont contents qu'on soit là. C'est vraiment cool. T'sais. Ben oui. Puis pas que c'est pas comme ça ici, c'est juste que ça l'est moins parce qu'il y a plus de musiciens. Ici, c'est vraiment plus accessible. Puis c'est plus consommation beaucoup. Puis le monde aime ça pareil. Puis j'ai eu des shows ici que c'était le même feeling. Mm. C'est juste que c'est. Quand ça arrive ici, c'est plus un événement spécial. Ouais, effectivement. Tandis que là-bas, c'est le même à chaque soir. Ouais, c'est ça. Puis c'est. Mais tu sais, comme tu dis, ça fait pas que c'est plus le fun d'une place à l'autre. Là. Non, c'est juste. C'est différent. Puis quand on est habitué à quelque chose, ça vient nous débalancer, mais on trouve ça le fun. Ouais, effectivement. Ouais. Ça vaut le coup. Ouais. Je vais peut-être y aller avec une compo. Parfait. Bon, ben je te suis. Cool. Ben, je te suis du côté. Je suis du côté, c'est parfait. Yes. Dans le fond, je vais y aller avec une chanson en anglais. Ça aussi, encore une fois, c'est encore et toujours des nouvelles chansons parce que j'en ai terminé plein pendant la pandémie. Voici ma chanson « How I Feel ». Last night I couldn't feel better with you laying on my shoulder. Oh, I feel no pressure with you. I couldn't feel better. You talk to me and I feel like a kid again. Yeah, that sound cheesy. I know I'm telling all my friends, but when you hold me tight, I don't want you to leave. I still can't get that. I got you all for me. It's just how I feel. Yeah. It's just how I feel. Yeah. How I feel. Yeah. It's just how I feel. Yeah. I admire the way you act, the way you walk, the way you are. That sound cheesy. I know it's what I'm telling all my friends, but when you talk to me, I feel like a kid again. And when you hold me tight, I don't want you to leave. I still can't get that. I got you all for me. It's just how I feel. Yeah. It's just how I feel. Yeah. How I feel. Yeah. How I feel. Yeah. Last night I couldn't feel better with you laying on my shoulder. Oh, why
I feel no pressure with you. I couldn't feel better. Yeah. Écoute, on dirait qu'à chaque fois que t'es en train de chanter, je suis comme, hey, j'entends quelqu'un. Là. C'était Jason Mraz, ça? Ah, peut-être. C'est le premier album, le premier, deuxième album. Ouais, ouais. Tu sais, le. Avant qu'ils deviennent trop Beach Boy, là. Ouais. Ah, ben, c'est nice, man. Tous les noms que tu me nommes, j'aime ça. Fait que, c'est ça, encourageant. C'est tout des compliments, là. C'est, moi, j'aime ça écouter la musique des gens. J'aime ça quand que. Tu vois dans les yeux, quand quelqu'un est en train de jouer une compo, mm-hmm. c'est une petite lueur différente, là. Ouais, vraiment, effectivement. Puis tu vois une petite fierté, puis c'est bon, ça. T'sais. C'est bon d'être fier de ce qu'on fait. Puis moi, j'aime ça. C'est le genre d'affaire que c'est une des raisons pourquoi j'aime ça acheter des albums de mes amis puis de mes collègues musiciens parce que tu es vraiment capable d'aller chercher une petite coche de plus. Puis... Effectivement. Ben, c'est sûr que aussi, toi aussi, tu as des compos en les jouant. C'est sûr que tu n'as pas le même sentiment que quand tu joues un cover. Il y a quelque chose de plus. C'est tes mots, c'est ta musique. Il se passe de quoi de plus puis tu essaies de transmettre tu livres plus le message un peu que quand tu reprends une chanson de quelqu'un d'autre. Quoi que ça arrive qu'il y a des chansons de d'autres artistes que justement qui sont incarnées puis que tu es comme oh mon dieu ce texte là me parle ou cette chanson là me parle mais ça pourrait pas être autrement que quand c'est toi qui l'as écrite. Exact. Puis tu sais qu'est-ce que je trouve le fun surtout tu sais c'est en tant que chansonnier notre job c'est de faire le party, c'est de faire embarquer le monde, c'est de faire que le monde chante avec nous autres, surtout. Ouais. Puis, il n'y a aucun feeling comme d'entendre quelqu'un chanter ta chanson toi. Exact. Dire, hey, c'est moi qui ai écrit ça. Puis, ce monde-là, ils ont appris les paroles parce qu'ils aimaient la chanson. Ouais. C'est la première fois que ça m'est arrivé, je pense que je me suis mis à pleurer. Ah, je comprends. C'est vraiment. Je capotais bien Ril. Ouais. C'était tous mes amis, tu sais. Fait qu'ils connaissaient ma tune parce que j'étais leur ami, mais pareil, ils l'ont appris. Ils l'ont écouté, c'est un feeling qui est juste pas comparable. Ouais, même sentiment que toi, je suis bien d'accord avec ça, c'est quelque chose. C'est surtout la première fois là. Ouais. C'est ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On y va-tu avec une merveilleuse chanson de Cat Stevens qu'on a checké un peu avant. Je suis très partant pour ça. Cool. On va se faire Wild World. Je vais y aller avec le pick-up de Git puis on rentre dans le refrain, OK? Perfect. Oups, je vais redémuter. On va rallumer la guitare. On est reparti. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, girl. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. 'Cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. And if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Just remember there's a lot of bad and beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, girl. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. J'étais sûr que t'en repartais. Ah, j'étais pas sûr si c'était moi. Take it away. Now that I've seen what the world can do, and it's breaking my heart in two. 'Cause I don't wanna see you sigh, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. I hope you make a lot of nice friends out there.
Just remember there's a lot of bad in beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, girl. Remember you like a child, girl. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, girl. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Cat Stevens. Cat Stevens. Tout qu'un personnage. Oui, effectivement. Oh, des bonnes tunes. Ah ouais. Oh, ouais. C'est, je pense que je me fais tellement demander souvent du Cat Stevens. Ouais, c'est, hein? C'est le genre de tune que j'y joue pas tant que quelqu'un me le demande pas, parce que je sais que quelqu'un va me le demander. C'est ça. C'est souvent quelqu'un en arrière. Cat Stevens! Yeah! Ça en prend tout le temps une dans son répertoire pour répondre à ce gars-là. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Je fais un lien avec ta question de tantôt par rapport aux shows les plus c'est une question de fun, hein? Ouais, c'est une question de fun, puis j'ai continué de penser, puis tantôt, t'as joué du Bryan Adams quand je suis arrivé, puis on a eu la chance avec les Jacks de faire la première partie de Bryan Adams. Ouais. Maxence en a parlé l'autre fois. Ouais, ben il l'a juste dit, mais il n'a pas trop parlé. OK, ben c'était quand même assez ça. C'était pas au Québec, là, pour... À Dubaï, je crois. Exactement, c'était à Dubaï. On a été vraiment... On est vraiment bien tombés, là. Ça, c'était la première année du projet Les Jacks. C'est arrivé comme ça sur un plateau d'argent. Dans le fond, c'est l'ambassade canadienne de Dubaï qui organisait une série de spectacles d'artistes canadiens là-bas. Donc, il y avait entre autres Bryan Adams, il y avait Drake, il y avait Justin Bieber, etc. Puis, ils cherchaient des artistes canadiens pour faire les premières parties. Puis, nous, ici, on travaillait avec une agence de corpo, dans le fond, là, qui s'appelle F13 Productions. On les salue. Donc, on travaillait déjà avec eux ici pour différents événements corporatifs. Puis, dans le fond, eux, il y avait aussi des bureaux au Moyen-Orient parce qu'ils faisaient de l'événementiel là-bas à l'occasion. Fait que le Dubaï, dans le fond, ils ont engagé cette agence-là pour leur fournir des artistes canadiens. Fait qu'ils ont proposé notre projet. Puis finalement, on a été choisis, nous, puis un autre groupe de la même agence, à aller faire le show d'ouverture de Bryan Adams. Fait que ça, c'était assez débile mental. Là. Ça a dû être complètement fou. Ouais, ouais, c'était quelque chose vraiment là, c'était toute une expérience. Puis en tout, on est parti d'ici, puis on était revenu en dedans de 6 jours. Mais il y a 12 heures de décalage horaire, okay. Ou 10 heures. Là, tu sais, c'est complètement fou. Puis fait qu'on a là-dessus, il y a eu 2 jours et demi de voyagement, puis 3 jours et demi sur place. Fait que ça a été quand même une immersion rapide, mais mon Dieu, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant, juste de pouvoir mettre les pieds au Moyen-Orient, de pouvoir faire un show dans ce contexte-là. T'sais, on a vu, justement, en 3 jours, on s'est promené un peu, puis on a vu le désert, on a vu la ville de Dubaï. T'sais, juste les véhicules là-bas, c'est comme un défilé d'auto de luxe. Là, Lambo puis de Maserati qui passent aux 2 secondes. Exactement, fait que c'était quand même assez impressionnant d'être là. C'est sûr que j'aurais peut-être pas payé là, pour aller là parce que tout est super dispendieux. Puis justement, c'est plus une ville d'affaires, donc c'est pas super touristique. Je dirais qu'en 3 jours, on a eu le temps de faire le tour quand même, mais quelle belle occasion d'aller faire de la musique à l'international. C'était tout un trip. Moi, c'est l'affaire la plus haute dans ma bucket list. Aller jouer à Dubaï. Mais pas Dubaï en particulier, mais aller jouer ailleurs. Ouais. Ailleurs. Ben oui, puis en tout cas, on est vraiment bien tombés. C'était toute une chance qu'on a eu de se faire choisir. Puis ça a été vraiment cool. Mais sinon, comme on disait tantôt, à travers les voyages, moi, j'amène toujours un instrument quand je pars. Puis j'ai réussi à me dénicher une couple de spots ou faire des shows. T'sais, on a fait ça dans une couple de ville avec Maxence, on arrive là, puis on a nos guitares dans le dos, puis comme hey, salut, si tu veux, moi ce soir je te fais un show, tu sais, mettons dans une auberge jeunesse, c'est arrivé de faire un show, puis dire écoute, le propriétaire, regarde, on a nos guitares, on t'invite tout le monde, on s'en va dans la rue dans l'après-midi, on va faire de la musique dans la rue, on va ramener le monde, on dit que ce soir on fait un show à l'auberge, puis en échange tu nous payes la nuit ou tu nous payes le souper, puis tout ça. C'est ça. Tu sais, on a comme toujours managé des affaires comme ça, puis ça a été vraiment des beaux trips à chaque fois.
Ben écoute, ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait. Oui, j'ai voyagé, mais juste au Québec pour faire des shows. Mm-hmm. Puis j'ai voyagé parce que je me faisais booker pour aller à quelque part. Oh, mais de, ouais. d'aller à quelque part avec une guitare, puis de juste dire « Hey, ouais. moi, je joue ici, puis c'est mon ouais. spot. Oh, » ouais, c'est trippant pour vrai. C'est un trip, c'est quelque chose. C'est, j'ai déjà juste amené un ukulélé à Cuba, puis ouais. j'étais juste là à faire des tunes avec mon uke ouais. à la plage, puis t'avais 3-4 personnes qui se sont venues autour. Puis... C'est le fun. C'était du fun, tu sais, puis c'était un bon feeling, puis tu sais, mon range de tunes avec un ukulélé, ça, c'est 4-5 tunes, fait wow. que je faisais juste mes 4-5 tunes, puis c'était le fun, mais je me suis dit, hey, si j'avais ma guitare, that's j'aurais fait un show, là. C'est ça, 4-5 tunes, that's it for tonight, guys, thanks for being there, it was a pleasure. On va les refaire, sinon, deuxième set, on change l'ordre. C'est ça, c'est on va ça. Les faire avec le capot. Change de range, change le feel un peu. On, fait ça, on va la faire de style country. Là, on exact. Va essayer de... Country au ukulélé, ça serait le fun d'entendre ça. Là, ça se fait, tout se fait. Tout se fait, effectivement. Faut juste chercher, faut juste chercher. Ouais, ouais. Ouais. Bon. On pourrait se jouer de la musique. Je pense qu'on est rendu là. Nous autres, on jase beaucoup aujourd'hui, je trouve. Ouais, on jase. C'est correct. Non, non, non. C'est vrai. Ça, jaser. C'est rare qu'on voit du monde avec la pandémie. Fait que c'est ça. Content de me faire des amis. On en profite. All right. As-tu une suggestion en particulier? Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on voudrait jouer? Time of Your Life, je pense qu'on s'était collé ça. Ouais. On peut se faire ça, hein? Alors, moi, j'y vais en surf. Ouais, pas mal ça. On s'échange les verses? Ouais. Je vais commencer. OK, cool. Another turning point, fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this destiny, don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photograph and still frame in your mind. Hang it on a shelf in good health and good times. Tattoos and memories and asking on trial. For what it's worth, it was worth all the while. And it's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Surface. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Green Day. Green Day. Yes. Tout un hit, cette toune. Hey, cette toune-là, elle a traversé combien de parties? Ouais, combien de parties, combien d'époques, tu sais. Elle va rester là à jamais, cette toune-là. Ben ouais, tu sais, puis moi, l'affaire qui me fait rire avec cette toune-là, c'est que comme ma graduation de sixième année, on avait fait un montage photo avec cette toune-là, ah, ouais, tu sais. Hein? Puis je me dis, combien d'écoles ont fait ça? Sûrement. Tu sais, fait, combien de personnes vont regarder des timelapses de photos avec la toune Time of Your Life qui joue en arrière? C'était un peu kitten, mais ça. Dit, en fait, combien de moments clichés ou un peu kitsch comme ça se sont passés sur cette toune-là? C'est ça, tu sais, c'est une toune simple, puis elle dure pas longtemps, fait que tout le monde est capable de l'apprendre super ouais. facilement, puis c'est... Effectivement. C'est juste beau. Ben oui, c'est une bonne toune. C'est Green Day, c'est tellement juste... On dirait que c'est une époque marquante, que Green Day ont ouais. on comme sorti plein de tunes, puis c'est... Ouais, mais puis en plus, c'est genre leur tune acoustique, mais qui passe tellement partout, tu sais. Partout. Ouais. Ah, j'ai envie de jouer quelque chose qui est pas une compo, mais qui est une tune que j'ai découvert un gars, moi, qui s'appelle Rustin Kelly dans la dernière année. Puis okay. J'ai bien trippé sur ce qu'il fait. C'est comme l'affaire que j'écoute le plus en ce moment. C'est du...
country folk, là, quand même vraiment smooth, mais il y a une tune sur quoi j'ai vraiment accroché, puis ça s'appelle Mockingbird, j'ai comme envie de vous la jouer. Ben oui, puis lui, ce Rustin Kelly, il vient d'où? C'est un Américain, je ne saurais pas dire de quelle ville ou de quel état exactement, mais écoute, j'ai tout simplement trippé sur ce gars-là, puis son album Dying Stars, si je peux vous en nommer un en particulier, j'écoute ça sans à plus finir. OK, Rustin Kelly, j'ai jamais entendu ce nom, mais je vais prendre une petite note mentale. Ouais, c'est ça, j'aime les trucs un peu underground, fait que je vais vous jouer sa chanson Mockingbird. Ça se peut que je me trompe, c'est quand même tough, mais je prends une chance, on y va, on fait ça à la bonne franquette. Pretty wings, you're the prettiest thing you like. Parker posted in the magazine with faded jeans and a crop top back in 93. I wanna be your dressed in black, your black star with a backwards hat. I'm gonna write a book and put your name on every page. Every page. Hey, pretty little mockingbird. Keep singing them sad, sad songs. There's already rain on my window. I'm down when the morning comes. Flew away in the night with a raven. Now I'm underneath the willows hanging. I'm too strung out to be upside down. Pretty little mockingbird, sing your song. I was the desert, honey, you were the sand. I was a bird, baby, you were the branch. And I flew into the blue and watched those flowers dying. It wasn't much, just everything. Could've sat right there and got high with me. But drinking your dreaming brought the nightmare. Brought the nightmare. Hey, pretty Kingbird, keep singing them sad, sad songs. There's already rain on my window. I'm down when the morning comes. Flew away in the night with a raven. Now I'm underneath the willows hanging. I'm too strung out to be upside down. Pretty little mockingbird, sing your song. Hey, pretty little mockingbird, keep singing them sad, sad songs. There's already rain on my window. I'm down when the morning comes. Flew away in the night with a raven. Now I'm underneath the willows hanging. I'm too sprung out to be upside down. Pretty little mockingbird, sing your song. Chose comme ça. C'est super beau. Ouais. Hey, on dirait que encore une fois, je suis juste là. Hey, c'est quoi que ça me fait penser? Je l'ai au bout de la langue, là, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai la toune drette dans. Ça fait penser à une toune en particulier. Ah ouais, puis une toune que j'aime beaucoup en plus. Fait que... Nice. Cool, mais en tout cas, je t'invite à écouter ça. Là, si t'as la chance. Ben ouais. Rustin Kelly. Rustin Kelly, j'ai bien aimé ça. Il est-tu bien populaire ou c'est... J'en ai aucune idée. Pour vrai, moi, okay. C'est juste... Je suis tombé là-dessus par hasard sur Spotify, disons. Là, okay. En fonction des trucs que j'écoutais, ça te fait des suggestions d'autres artistes. Puis j'aime ça, les écouter, les suggestions. Puis justement, il y en a plein. Moi aussi, j'aime tellement ça. Ouais. Tu mets ça sur random, puis une fois de temps en temps... Ouais, il y a une toune qui pop, t'es comme « Oh my God, c'est quoi ça, man? » Puis moi, c'est de ça qui est arrivé, j'ai entendu cette toune-là, j'étais comme « Oh shit, faut que j'aille écouter ce gars-là, puis depuis, j'écoute juste ce gars-là. » Ben ouais, moi aussi, t'as une toune que j'ai entendue il y a pas longtemps, j'oublie le nom de l'artiste, ça va m'en revenir, là, mais c'est Grace, la chanson. OK. Puis c'était beau, là, c'était juste comme full orchestre, c'était une toune qu'il avait repris, c'était même pas lui qui l'avait écrit, mais c'était une vieille chanson, puis... Mm.
Écoute, j'étais juste là en train d'écouter la musique, puis j'ai juste arrêté pour cette tune-là, puis je me suis mis à broyer. Non, c'est nice. Ouais, la manière que je parle, je pleure tout le temps. C'est ça, le gars, il arrête plus. Non, mais c'est le fun de faire des découvertes comme ça. Justement, hey, ça, je peux parler de quelque chose. Pendant la pandémie, j'ai commencé à donner un cours de découverte musicale québécoise. OK. Tu sais, à force de faire partie de l'émergence un peu avec les Jacks, entre autres, puis tout ça, j'ai, comme je disais, j'accompagnais Marianne, puis... baigné dans ce milieu-là, ça m'a fait rencontrer tellement de gens, puis y a plein d'artistes que j'ai découverts en les côtoyant, que j'étais comme, OK, mais c'est vraiment bon ce que tu fais, tu sais, je trippe, puis des artistes que j'écoute maintenant souvent, puis j'avais comme un petit préjugé envers la musique québécoise avant d'en faire partie un peu de l'émergence, puis maintenant, ça a comme switché, j'écoute tellement de musique québécoise, mais c'est parce que souvent, je pense que les gens ont tendance à mettre ça dans une même catégorie, tu sais, c'est normal qu'on connaisse Deux Frères, les Cowboys Fringants, qu'on connaisse Cain, tu sais, ou Loud, ou tu sais, ceux qui sont à l'avant-plan, ceux qui sont à la radio, ceux qui sont à la télé. Mais c'est qu'il y en a tellement d'autres, puis c'est comme si le monde mettait juste ça dans la même catégorie. Mais il y en a pour tous les goûts, puis vraiment, là, puis tu sais, c'est pas caten, c'est pas cliché, c'est juste bon. Mais c'est juste que les gens, les connaissent pas, ces artistes-là. Fait que moi, pendant la pandémie, puis déjà, je faisais justement des playlists que des fois, j'envoyais à mes chums, je disais, hey, ça, je pense que c'est dans un style que vous allez aimer. Écoutez ça, c'est des Québécois, ils sont super bons. Fait que j'avais déjà ce plaisir-là de faire découvrir de la musique à mes chums, puis... Je me suis dit, ah ben, crime, je vais essayer de rentabiliser ça. Puis finalement, j'ai commencé à donner ce cours-là dans les écoles, sur Zoom aussi, à des gens qui disent, hey, moi, ça m'intéresse. Fait que ponctuellement, je le fais sur Zoom ou whatever. Fait que c'est vraiment cool. À date, là, tout le monde est content. Moi, je fais découvrir des gens au monde qui connaissent pas, tu sais. Puis autant, moi, j'ai du fun à le faire, à partager ça, que les gens, jusqu'à présent, ils trippent aussi, je pense. Fait que... Ben, moi aussi, je tripperais à faire ce cours-là. Ben, ça me ferait plaisir de te le donner. Pour vrai, là, s'il y en a d'autres à la maison qui sont intéressés à le suivre, juste écrivez-moi sur ma page Facebook. Puis moi, je prends les noms, justement. Puis quand on est une dizaine, disons, j'ouvre un groupe Zoom, puis on se fait ça. Puis moi, je le fais gratuit, sous contribution volontaire, dans le fond. Puis okay. Vraiment pour le fun, on prend une bière, puis on trippe, puis je vous parle de ces artistes-là. On écoute la musique. Écoute la musique ensemble, puis c'est ça. Puis aussi, la prémisse de ce cours-là, c'est aussi beaucoup d'essayer d'aller voir des shows quand vous avez la chance. Moi, je me tiens beaucoup d'un lancement d'album, justement, quand il y en a, là, mettons qu'on oublie la pandémie. J'aime ça aller voir des lancements de même de monde que je connais pas ou que je connais peu, parce que c'est toujours vraiment cool. C'est des belles découvertes, puis il y a rien comme voir un artiste live pour comprendre son univers. T'sais. Surtout un lancement d'album, c'est la première fois que tu l'entends tout d'une shot. Là. Exact. Puis... Comme tu disais tantôt, tu sais que c'est... Il y a plus de stress, il y a plus de... Ouais, c'est des spectacles qui sont importants, tu sais, pour les artistes, fait que c'est le fun de voir. C'est tellement les important, gens. Fait que tu sais qu'ils ont leur monde qui sont là, tu sais. Mm. Les parents sont là, ouais. Ma tante, mon oncle sont là, fait que... Ils veulent donner un show, là. Exact, exactement. Fait que c'est ça, à force d'aller dans les lancements, de côtoyer ces gens-là, j'ai vraiment découvert plein d'artistes en personne, fait que... Puis, tu sais, des lancements d'albums, c'est soit gratuit ou soit 5$ ou 10$. C'est pas cher. Là. Ça vaut vraiment la peine d'aller mettre un pied dans la place puis d'écouter ces shows-là. Tu sais, c'est vraiment ouais, des belles découvertes que j'ai faites. Fait que, ouais, je peux plugger ça aussi. Là. Je donne un cours de découverte musicale québécoise puis c'est vraiment intéressant. Merveilleux. À mon sens, mais les feedbacks que j'ai, c'est cool. Fait que je trippe. Puis, j'ai aussi commencé à donner un cours de découverte internationale dans les mêmes écoles où je donnais le cours de découverte québécoise parce okay. que en voyageant aussi, j'ai découvert plein de monde. Puis, tu sais, des Rustin Kelly, justement, comme on vient de jouer, je trippe là-dessus, puis je les ai découverts par hasard, fait que je me fais plaisir de le partager, fait que ouais, j'ai ces deux cours-là disponibles à tous ceux qui le veulent bien. Merveilleux. Mm. J'adore. Ouais, cool. Donc, je te ferai signe. Ben ouais, écoute, ça va être bientôt. Cool. Ça va être bientôt. Yes. Donc, il nous en reste une. Oh, all right. On finit ça avec une petite compo. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Ben ouais, écoute, moi, j'aime ça, puis t'en as en masse. Fait que, J'en ai en masse, effectivement. Cool, je me demande avec quoi je vais y aller. Ta préférée, là. Dans le sens, c'est trop. Ouais, je pense que, non, c'est cool. Tu vois, j'ai mis le doigt dessus. J'ai regardé ma liste, puis je pense que je sais ce que je vais faire. Parfait. Bon, ben, je te donne le stage. Cool, merci, Dylan. Comme je disais un peu plus tôt, j'ai dans ma vie côtoyé certaines personnes qui étaient plus tristes que d'autres, puis... Ça m'a fait beaucoup de peine. Puis encore une fois, j'ai une autre chanson qui traite de ce sujet-là un peu. Des fois, il arrive des événements dans la vie, puis c'est dur de s'en remettre. Mais éventuellement, on est capable de passer par-dessus puis de marcher droit. Mais parfois, ça peut prendre simplement un moment. Donc, cette chanson-là s'appelle « Un moment ». La voici.
Voulez-vous bien me dire à quoi ça sert? Ce que ça fait dans le bout, ce que ça mange en hiver. Ça pourrait être pire, mais j'ai déjà filé mieux. On dirait que ça me rattrape quand j'essaie d'être heureux. Et je sais que la vie m'a fait faire des pirouettes. Est-ce que je vais finir un jour d'en payer la dette? Là, j'ai besoin de temps avec moi-même pour peut-être finalement comprendre le fond de ma peine. Je vais bien m'en remettre, faites juste me laisser un moment. Je vais bien m'en remettre, faites juste me laisser un moment. Pour les prochains jours, je quitte la maison. J'ai comme besoin de me perdre pour trouver raison. Et cherchez-moi pas, je serai de retour bientôt. Je reviendrai à bon port quand j'aurai le vent dans le dos. Je vais bien m'en remettre, fais juste me laisser un moment. Je vais bien m'en remettre, fais juste me laisser un moment. Juste me laisser un moment. J'irai là où il n'y a pas trop de bruit, où je pourrai enfin trouver la paix. Avec ce qui m'a mené ici, il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Pour me rejoindre, prenez papier et crayon. Je garde les yeux en l'air, attendant un pigeon. Ça pourrait être pire, mais j'ai déjà filé mieux. On se reverra quelque part où le ciel est bleu. J'ai vraiment aimé ça. Merci, Dylan. J'ai vraiment aimé ça et j'ai vraiment aussi aimé ça que tu viennes aujourd'hui. Ouais, ben moi aussi. Un grand talent. J'ai hâte de t'entendre avec les Jax. Ouais. Apparemment que c'est vraiment quelque chose, puis je le crois. Cool, ouais, merci, c'est gentil. J'ai eu la chance de rencontrer Max, puis ouais. Là, puis toi, puis j'ai hâte d'entendre tout le trio ensemble. Ouais, ça me ferait bien plaisir de revenir à la gang. Ouais. Ouais, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. On va avoir ça à avoir hâte que ça arrive. Ouais, ouais. Et en attendant, j'aimerais remercier tout le monde pour votre écoute. Ouais. Thank you everybody for listening. You've been listening to CIDI 99.1 FM, Brome-Missisquoi's number one community radio. And this was the Songs of the Week with Fred Dionne. Yeah, merci tout le monde. Thank you so much. My name is Dylan Lenny, your host. And we'd like to thank you all once again. And we will leave in the description every possible way that you can find Fred. So we can go give him all the love that he deserves. Thanks a lot. And stay tuned for more. Yeah. Have a good day.